Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. L'amour n'a pas d'âge. C'est ce que veut prouver Serge Lama, qui à l'aube de ses 80 printemps a épousé la femme de sa vie. D'aventure en aventure, le chanteur a finalement jeté son dévolu sur sa manager. Mais avant de roucouler avec Luana Santonino de 35 ans, sa cadette, cette grande voix française a connu plus d'une grande histoire d'amour. On dit que l'amour rend aveugle, et ce n'est certainement pas Michel Potier qui nous aurait dit le contraire. La première épouse de Serge Lama décédée en 2016 d'un AVC n'a pas hésité à fermer les yeux sur les incartades de l'artiste, alors même jusqu'à lui donner sa bénédiction. Michel Potier avait d'ailleurs elle-même chaviré pour le chanteur en 1969 alors qu'ils étaient tous les deux engagés dans une autre relation. Séducteur né, Serge Lama avait particulièrement mal vécu cette période qui lui vaudra l'un de ses titres cultes, « Je suis malade ». Pendant plus de 2 ans, les deux amants se sont aimés en secret avant de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Ou un peu avant. L'histoire d'amour s'était transformée en amitié. De l'aveu même de Serge Lama, et l'artiste a commencé à faire les yeux doux à sa manager. Une romance a débuté pendant son mariage avec Michel Potier et qui s'est concrétisée en 2022 devant Monsieur le maire. Le 11 février 2022, Serge Lama a dit oui à Luana Santonino, point final d'une relation née il y a plus de 18 ans. C'est en 2000 que la jeune femme âgée aujourd'hui de 45 ans croise la route du chanteur avant de devenir son assistante 6 ans plus tard. Sous le charme du chanteur, elle s'engagera dans une relation avec l'accord de la femme de Serge Lama dont il était séparé depuis plusieurs années. Sans ciller, l'heureuse élue a appris à vivre dans l'ombre, je ne voulais pas briser leur couple. Il était très important pour Serge que Michel reste Madame Lama. Une chose que j'ai parfaitement intégrée, avait-elle confié au magazine Gala. Côté sentimental comme professionnel, elle finira par prendre du galon dans la vie de l'artiste en devant sa manageuse. Malgré la grande différence d'âge qui sépare le couple, les amoureux semblent plus épanouis que jamais. Une histoire d'amour qui, même avec les années, ne prend aucune ride.